J'espère que vous allez bien, famille, et je pense que c'est ma dernière vidéo concernant cette histoire de Gilles Mason, alias Bob Lee, alias Don Giovanni. On a eu finalement ce que nous voulions parce qu'on s'est tant baladé sur les réseaux sociaux. On a écouté tellement de versions, on a écouté tellement de choses concernant Don Giovanni que franchement, on ne savait plus où mettre la tête. Mais aujourd'hui, la guêpe a mis pas puisqu'elle a appelé les services des pompes funèbres au niveau de New Jersey qui ont confirmé que, bien évidemment, Bob Lee n'est plus de ce monde. Gilles Mason, alias Don Giovanni, est passé de vie à trépas. Il ne reviendra plus jamais sur les réseaux sociaux. Ces enfants, malheureusement, ne vont plus jamais voir leur père. Et donc, définitivement, Bob Lee n'est plus de ce monde. Et je vous laisse écouter cette vidéo de la guêpe, puisque j'ai coupé juste la partie essentielle qui nous servait pour confirmer les rumeurs des réseaux sociaux. Écoutons cette partie et je vous reviendrai juste après pour vous donner mon point de vue. À tout de suite. Home, and we wanted to make sure with the family because we're from West Africa. If a body was discovered and from there, then we're gonna have to come over there and then take it. He's I'm sorry, what's your question? okay. We had a phone call from, because I'm in Maryland. We had a phone call from somebody in Newark saying that one of our friends passed away at home. And we wanted to make sure that that was the truth because we were not able to reach on him so we can, alert, the family back home and see how we can, come over there. And I don't even know what to say. Oh my God. What's the last name? The last name, Mason, Mason. Yeah, someone called about him a few minutes ago. Oh, somebody called? Yeah. Okay, did he pass? Hello? Gil Mason? Jill Taoro Mason. Yeah, someone called on that one a while ago. Okay, but did he pass away? Yes. Oh, he did. If someone called, not even. Because everybody's like, very, very scared. We don't know what's happening. Some people say he passed away. Some people say he did not pass away. But can you make sure it's the whole name? Because it's also T-A-H-H-O. R-O. Taho. Yep. And then the first name is Gilles. And the last name is Mason, Mason. That's correct. And when was the body recovered? Thank you so Hold on a much. minute. I'm sorry. Hi, I'm sorry. I was talking to somebody and I think I got disconnected. The first name of the person I was calling was Gilles, Gilles. And the last name is Mason, Mason. And for what I heard, he just confirmed to me that he passed away. So wanted to know when he passed away and what is the next step that we have to do in this investigation so we can let the parents know in Africa. Okay. Are you the one we just spoke to? Oh, I talked to a guy like not even a minute ago, and then we got disconnected in the middle of the call. Yeah, because we spoke to a Beatrice earlier and provided her with all that information. I'm sorry? You spoke to Beatrice? Beatrice? Je sais pas qui est Yeah. Béatrice, mais je Oh, vais I essayer de don't rentrer en know contact who avec she is. Béatrice. She said she was a cousin. Oh, okay. So I don't know who's Beatrice because we're having a lot of problem right now. It was hard for people to make sure that he really passed away. Et je dis à la dame qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment parce que c'est compliqué pour des personnes de savoir est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé. Vous voyez que j'ai été très honnête, tout a été clair et limpide dans ma communication avec la personne que j'ai appelée. Voilà. But when did he pass away? Quand When il est was the body décédé? recovered? His death was called into us on the 24th. Le On the 24, on 24th. l'a appelé le 24. Okay. So, what is the next step now? They're Qu'est-ce doing qu'on an va faire autopsy maintenant? or what's going on? Est-ce qu'ils ont Because I fait have to let l'autopsie? design, which is being done today. So, you guys just need to set up an appointment, notify the funeral home who will call us and set up an appointment to have them picked. Vous avez entendu que l'autopsie a été faite aujourd'hui. Donc, maintenant, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour, comment on appelle, schedule. C'est-à-dire que pour planifier où on va l'emmener, comment on appelle les funeral home. Oh my God, l'anglais, le français m'échappe souvent. Funeral home, c'est-à-dire que le coin où on envoie les corps. C'est là, c'est ce qu'on a en français, s'il vous plaît.
comment on dit, funeral room. Voilà. Donc, voilà, ils ont dit non, que ça a été, l'autopsie a été faite comme il est décédé à la maison. Ils ont fait l'autopsie. Donc, maintenant, on doit prendre le corps pour envoyer le corps au funeral home. Donc, c'est à la famille d'envoyer le corps au funeral home. On va écouter et je vais vous dire ce que je pense et ce que j'ai comme information concernant les histoires de funeral home. Now, they're doing an autopsy or what's going on? Because I have to let... The evaluation is being done today, so you guys just need to set up an appointment. Notify the funeral home who will call us and set up an appointment to have them picked up from our office. Oh, so the autopsy is done today? Yes. Okay. All right. Donc, voilà. Donc, il est encore dans le coin où ils ont fait l'autopsie. Maintenant, c'est à la famille, c'est à des personnes, comment on appelle? What's his name? Rain. Donc, maintenant, c'est aux personnes de, à la famille, maintenant, de, comment on le dit, de venir maintenant prendre le corps. Maintenant, selon ce que je comprends, Bob Lee, c'est mon frère ivoirien. Voilà. On va mettre nos émotions de côté. Peu importe ce qui s'est passé, c'est mon frère ivoirien. Moi, je vis aux États-Unis ici. Je suis à peut-être 4-5 heures de lui. Mais je ne peux pas voir une situation, malgré tout ce qu'il a eu à me faire. Je l'ai dit hier que je mets tout ça de côté. Je viens vers vous et j'ai fait cet appel pour pouvoir d'abord confirmer effectivement que Bob Lee est décédé parce que il y avait plein de polémiques sur la toile. On ne sait pas quelle est la vérité. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il n'est pas décédé? Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, maintenant, on nous dit que le corps est... on vient de finir de faire l'autopsie. Il faut envoyer maintenant le corps dans pompe funèbre. Ce qui concerne les pompes funèbres, il faut maintenant que si la famille ou les amis ou bien des gens de Bob Lee, faut que nous nous mettons ensemble. Nous mettons nos divergences de côté. C'est notre frère ivoirien. Nous mettons nos divergences de côté pour trouver une situation. Si le corps de Bob Lee doit être, on doit l'inhumer, il doit être enterré aux États-Unis ici, nous allons pouvoir décider de ça. Si le corps doit être envoyé en Côte d'Ivoire, c'est de voir comment est-ce que nous allons gérer cela. Le fait d'avoir appelé, c'est d'abord déjà mettre dans la tête des gens qu'il est décédé. Maintenant, il est décédé, c'est un acquis, c'est confirmé, c'est certifié. Quel est le next step de ce que nous devons faire? Parce que les gens qui font l'autopsie, là, le corps ne va pas rester là-bas tout le temps. C'est ça qui est le problème. Le corps ne va pas rester là-bas, je vous en prie, famille. Le corps ne restera pas là-bas. Si le corps, la famille ne vient pas ou des proches, les proches ne viennent pas réclamer le corps de Bob Lee, ils vont remettre le corps au gouvernement américain. Et quand on remet le corps au gouvernement américain, ça veut dire qu'ils peuvent soit enterrer le corps, ils peuvent soit brûler le corps et la famille peut ne plus avoir accès à son corps. Je ne sais pas réellement quel en est avec la mère, voilà, des enfants de Bob Lee. Je n'ai aucune idée. Et je leur prie, franchement, je ne suis pas une personne méchante, je ne suis pas une personne, comme on le dit, truc. Je leur prie, franchement, s'ils veulent rentrer en contact, je suis prête à me déplacer, aller jusqu'à Newark, les soutenir, les aider, hors caméra, je le dis hors caméra, je ne veux pas filmer quelque chose étant là-bas, hors caméra, les aider à trouver une solution, parce que il faut que nous puissions aller rapidement et puis clamer le corps de Bob Lee. Tout comme vous venez d'écouter, pas besoin de chercher midi à 14h, la GEP s'est portée garante de venir même en aide à la famille pour récupérer le corps de Don Giovanni parce que si rien n'est fait, le corps sera remis au gouvernement et ils pourront soit l'incinérer, soit l'enterrer et les enfants n'auront jamais l'occasion de venir prier sur la tombe de leur papa ou sa compagne n'aura jamais l'occasion de venir pleurer sur la tombe de son compagnon, etc. Donc voilà, c'est tout ce que nous voulions, c'est-à-dire ceux qui sont partis hier, qui ont appelé le journaliste Guillaume Vergès, autant pour moi, ils n'ont pas apporté assez d'éléments pour convaincre l'opinion. C'est vrai qu'ils ont parlé, ils ont dit qu'ils étaient sur le terrain, ils sont allés au commissariat pour vérifier un certain nombre de choses, mais nous n'avions aucune preuve. Voilà.
Donc aujourd'hui, la GEP a décidé d'appeler pour avoir ample information par rapport à Don Giovanni. Et bien évidemment, le personnel au service des pompes funèbres a confirmé que Don Giovanni n'est plus de ce monde. Malheureusement, pour tous ceux qui ont gardé espoir jusqu'à la fin, que Don Giovanni, c'était un buzz, franchement, c'était un buzz organisé entre ses amis et lui, entre ses proches et lui, c'était pour voir qui l'aime, qui ne l'aime pas, qui l'aime, qui le déteste sur les réseaux sociaux. Voilà quoi, c'est définitivement confirmé. La GEP, elle a pris sur elle d'appeler pour avoir des informations fiables et enregistrer même le personnel pour pouvoir prouver à l'opinion publique que, voilà, Bob Lee n'est plus. Et ça, voilà, il faut qu'on cesse de faire des polémiques sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on cesse de raconter des choses. On a eu la réponse que nous voulions. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on n'avait pas forcément besoin qu'on filme le corps de Bob Lee pour venir déposer sur les réseaux sociaux. Ce genre de preuve est une preuve assez concrète et assez explicite pour qu'on puisse comprendre que Bob Lee n'est plus de ce monde. Comme je l'ai fait comprendre au début de la vidéo, je pense que c'est ma dernière vidéo concernant l'affaire Gilles Mazon alias Bob Lee. Et ça fait mal. Tous ceux qui aimaient Bob Lee, même ceux qui ne l'aimaient pas, ne souhaitaient pas forcément sa mort. Voilà, ça fait vraiment mal de savoir que un acteur des réseaux sociaux s'en est allé comme ça. Et franchement, famille, je vous invite à partager cette vidéo, à prendre conscience de ce qu'est la vie. 2023 a fait beaucoup de ravages dans le monde des réseaux sociaux. Franchement, des personnalités publiques qu'on a perdu cette année, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Ça nous laisse comprendre que voilà, nous sommes juste des cadavres ambulants, nous sommes tous de passage sur la terre et que d'un jour à l'autre, voilà, nous passerons tous. Nous passerons tous. Donc, prenons en conscience, aimons-nous vivants, ça ne sert à rien de se détester, ça ne sert à rien de se lancer des pics, ça ne sert à rien de s'insulter sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien de jalouser les autres, ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres pour rien. Franchement, essayons de vivre du mieux qu'on peut. Voilà, essayons de vivre du mieux qu'on peut, soyons heureux et la haine. La haine n'apporte rien. La haine ne profite pas. Voilà, au contraire, les paroles que nous prononçons peuvent nous condamner, ça peut nous bénir, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Vivons notre vie, quoi. Soyons conscients des actes que nous posons et vivons notre vie. Avançons dans le calme, dans la tranquillité, aimons-nous vivants. Voilà, partagez cette vidéo et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Mélissa Sanchez. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire.